qui fait nous faire sa conférence de presse là à Zodi, c'est surtout pour dénoncer ça, la loi IBA Amendment Act qui peut présenter demain dans le Parlement dans une période côté un chaos total en matière de Covid sanitaire, etc. Ben, monsieur le Premier ministre, il trouvait c'est le moment pour lui pour fermer la bourse pan mauricien. Et nous tous totalement contre ça la loi. Pajen Norsingen à la fin pour expliquer un peu plus en détail sur le côté technique, ce côté légal, sur l'implication. Mais ban auditeur, ban radio qui habitue à intervenir, ban mauricien, mauricienne qui habitue à intervenir, exprime ça, donne ça l'opinion. Là où ban différentes plateformes radiophoniques essentiellement, la quitte fois la bourse poil PME. Donc, et ça n'est pas normal dans un pays qui se dit démocratique. Quand nous visons protège nous liberté d'expression, quand l'exemple, tout PFM sous licence de renouvellement au mois de décembre, d'après ce qui me comprend, ben, nouveau la loi dit qu'il bizarre à celle-là pour renouveler l'eau un an. Ok? Un. Deuxième, c'est un business, comme on est pour le business, qui arrive, que ce soit Radio Plus, qui arrive Radio One demain, ou l'année prochaine, ben, on n'est pas capable d'investir. Mais quand on retourne l'investissement, après un an, quand on a les paquets allés, les plus misérables. Pourquoi c'est la première fois qu'un régulateur est capable d'enlever une licence, un licensee, quand auparavant c'était un licensee qui décidait de pas pour qu'a envie de renouveler sa licence par rapport à différents problèmes éventuels, économiques, etc. Mais demain, dans le Parlement, il y a un parlementaire qui pourra le discuter ça la loi là, et certains qui probablement pourra le voter. Les autres mêmes outils dans différents médias. Ça fait moi penser Subhashni, Jasmine Roy, et mon apprendre qui Kavi Dulob aussi, ben, c'était Banzen qui s'est démarré cette carrière en tant que trainee dans certaines radios privées. Donc, est-ce que M. Pravin Jagnat a envie de faire tout une radio privée, une MBC privée, ou ça, imbécile privé? Est-ce que c'est ça son intention? Il est extrêmement important qu'il nous tout prend conscience. Nous trouvons aussi qu'il y a pas mal mauriciens et mauriciens qui n'ont pas saisi l'importance, saisi le risque, ça la loi là. Nous là pour que ça soit dit, mais aussi pour passer un message qui, ce soir, nous peut faire un live pour nous expliquer encore plus, parce qu'il me comprend, on me dit la journée, il y a pas mal de mauriciens qui travaillent. Mais demain, nous peut faire une manifestation symbolique dans différents endroits du pays. Moi, j'invite tous mauriciens et mauriciens qui, pour qui paient la guerre pour la liberté d'expression, la démocratie en général. Ici, Pravin Jagnat qui a été appelé un grand démocrate. Plusieurs fois, il dit ça. Peut-être dans la rousse, c'est la vraie définition. Donc, moi, j'invite tous les citoyens mauriciens et mauriciens qui comptent ça, la loi-là, manifester dans autre endroit, dimé, midi. Demi temps, à manifester dans le groupe 8, 9, 10, pas dépasse 10. À le divan, à la cause, à le divan, à une station, la police. Qui ou dans Flak, Woodlands, Bel Air, whatever. Député qui pourra le poser et qui pourra le voter, dit mais les autres comprennent que la population compte ça la loi. Donc, ça c'est une chose. Deuxième, nous pouvons joindre ensemble dans différents partis politiques demain. Et pour tenir les autres au courant, pour nous définir ensemble. Donc là, c'est les citoyens, c'est la société civile, c'est la plateforme citoyenne qui peut exprimer les autres et qui peut inviter les partis politiques à commencer à dénoncer aussi, mais dénoncer ensemble. Donc demain, nous avons besoin de tout
en espérant qu'ils aient tout fini pour nous discuter, qu'il a marche à suivre, parce qu'après le Parlement, le président, bizarre de Nso Assent, pas de pour expliquer ça plus en détail, quand il vous fait, il nous baronne. Donc, il nous prépare une manifestation rallye, ça veut dire dans l'auto, des dimouns par l'auto par police, monsieur et madame, papa petit, pour vendredi prochain à 2h, donc pour lui, pour communiquer plus de détails. Donc, nous finissons avec le commissaire de police en lettre, nous l'informons. OK.